Darby contre Blackpool. Bonjour Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Bonjour Grégoire, c'est vraiment génial d'être ici dans cette atmosphère incroyable. Je pense que ce match va nous réserver de très belles surprises. On est parti pour 90 minutes. Ballon dans l'espace. Il faut frapper là. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué loin devant. And bent. Ça, c'est une interception parfaite. Longue ouverture. Il glisse le ballon en profondeur. Il peut conclure. Il marque. Mais vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Attention à cette passe lobée. Oh, l'interception. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Ranger. Il joue dans la profondeur. Quel timing dans l'interception. Le bon service. Il a mis le ballon en retrait. Et la défense se donne de l'air. Une très grande ouverture. Dans le dos de la défense. Le danger est repoussé. Oh, c'est loin du cadre. Et c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très très compliqué. André Orlandi. Oh, il est parti là. Et ce ballon sur l'aile. Oh, la grosse occasion. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions.
Il joue dans la profondeur. Ça sent la frappe. La frappe. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Oh, mais quelle occasion de gâcher. C'est pas possible de rater après une passe pareille. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause. Oh, la passe en profondeur. Toute la défense. C'est une frappe. On a failli voir un but magnifique. Le ballon était parfaitement dosé. Si seulement le tir avait été aussi bien maîtrisé. Oh, c'était pas loin. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Cherche la verticalité. Trouver la faille dans la défense. C'est parti. Il dégage bien ce ballon. Andrea Orlandi. On a passé l'heure de jeu. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. Ballon dans l'espace. La défense bien présente. Il peut y aller. Une occasion. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Je peux vous... Ballon intercepté, ça soulage la défense. Il enchaîne les dribbles. La passe dans la profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Il joue dans l'espace. La parade, il l'a fait. Ça joue long. Ça peut partir en contre. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Attention à cette passe lobée. Le gardien est là, pas de problème. Il va falloir beaucoup plus de percussions, beaucoup plus de permutations et surtout de la vitesse avant que l'arbitre ne siffle la fin de ce match. Dégagement. La passe est précise.
Allez, plus que quelques instants à tenir. Oh là, c'est chaud, quel tacle! Et l'arbitre siffle la fin du match. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. On n'a pas vu du grand football, mais ils ont assuré l'essentiel, c'est le plus important. Chapeau à la défense quand même, qui a su conserver ce but d'avance. C'était vraiment une belle soirée d'arène, un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt.